Et n'a fait place avec le 24e, n'a parlé du 24e génie qui c'est Nick Ariel, qui s'écrit L-E-L-C-H-A-E-L, qui a rapport avec samedi, cap 24 juin 2023, c'est un trônier et caractéristique Nick Ariel, qui c'est un ange de protecteur, son ange de victoire, son ange tout, qui là pour le bataille contre force mal, et son ange tout qui permet de concentrer sur lui-même. C'est un trône qui c'est 24e ange qui c'est Nick Ariel. Pas oublier que nous avons toujours dit à chaque fois que nous avons une émission, nous toujours dit que conséquence la prière. La prière, un, lui permet d'entrer en communication étroite avec les anges qui sont au-dessus de nos têtes, et un sayo, yo c'est intermédiaire entre nous et le grand architecte. Et le rôle un sayo, yo là pour yo tendre des messages nous, et message ça pour yo résoudre problème nous, parce que yo c'est messager grand architecte là. Et pour cela, yo n'a pas que nous remédie, nous remédie citer parole de Saint Marc et dans la prière qui dit que tout ça que nous demandons dans la prière, on met quoi dans tête tout que wap retrouver. Et même la loi de karma, ou peut-être loi d'adaptation qui dit que les fonds du connaît que son bagage inéluctable, son bagage qui impossible, certes toutes sortes au monde de façon pure, de façon positive, quitte c'est la bonté, la prospérité, richesse, bonheur, certes on met quoi tête ou wap jeuni, parce que énergie positive pour dégager pour autant wap jeuni depuis on harmonie avec ça au monde. Et pas oublier que les émissions, ça c'est émission rituelle et prière, nous venons pour des connaissances pures et positives. Sans pour pas connaître, même de ça que n'a pas l'heure, il y a certaines personnes qui utilisent de façon négative pour faire le mal. Et bien pour cela, une chose qui est importante, c'est que, et ça fait que au monde, que au même, pour protéger Tieto, protéger Vio, au capable et prier, c'est un bagage qui est extrêmement important, et ça fait que trois façons, trois moment dans la journée, on est capable de prier. On est capable de prier le matin à partir de 5h, 6h. Et laisse ça au juste et son prière matinale lui permet de résoudre un paquet de montagnes de problèmes de travail, de difficultés qu'on doit recevoir pendant la journée. Et ça peut commencer par apporter une source de bonheur, de satisfaction pour vous. Et on est capable de prier à partir de midi. À midi, nous connaissons que ça symbolise du plan de vie mystique et tout ça négatif, tout ça qui a fait, on fait à partir de l'heure ça. Parce que pas bien de dire qu'il y a des personnes qui utilisent, même ça n'a pas utilisé là, pour n'a pas les deux, pour faire mal. Mais pour cela, ça peut dépendre au même qu'on pour qu'ils soient besoin et qu'ils soient cherchés et qu'ils soient voulés jouer à travers de soi, voulés faire. Et le soir encore, le soir, ça permet que les énergies pures, positives, que la terre calme, toute bagarre qui est possibilité, les fluidités de la terre, certes, on est capable dans l'esprit que vous priez ou adresser avec que ange ou peut-être génie que cap qui rapport avec 24 juin 2023 qui c'est Nel Kael, et notez pas de caractéristiques, son ange de la victoire, il soutient, son ange qui a apporté soutien et aussi la victoire, et il y procure mon cap et adresser lui beaucoup de force et force peut-être sur le mal. Et les fonds, c'est un ange qui permet de reconnaître tout et son trône nié, et c'est Wall en ça qui c'est 20e ange qui c'est Nelkael. Pas oublier que il y a deux bagages, nous toujours dit à chaque fois que n'a parlé là, pour capable adresser, communiquer avec le génie que nous portons pour eux qui a rapport avec le rituel lié. De un, au besoin fait sacré le sec à prier qui se machine à prier qui se yon de sec cabal qui qu'on petit sec si conscient à l'intérieur de lui-même qui a trois triers et une flèche qui s'oriente vers l'est. Ça nous connaît ça d'abord, ça ne vient pas en secret encore. Et l'autre bagage encore, au besoin réciter le rituel que qui a rapport avec 20e et 21e génie ça qui c'est Nelkael, c'est yon trône. C'est 21e génie, rituel qui a rapport avec lui, c'est rituel lié. Et dans l'émission précédente, tout à l'heure, nous t'expliquons en gros qui est rituel lié là. Nous te parlons un peu de ça rituel lié. Et finalement, dans la fin rituel là, on est capable de réciter prier ça. Prier ça, il y a rapport avec le génie, 21e génie ça,
prier. Il dit après avoir effectué le rituel, il lit et prononce la prière suivante. Nerkael, roi solaire, dépose en moi ton essence divine, le véhément désir d'apprendre afin que je puisse utiliser mon savoir pour reprendre le bien-être autour de moi par mes actes. Le désir des désirs est le désir d'apprendre. La curiosité est la clé du mouvement de l'univers, le moteur des sociétés terrestres et célestes. Et désir d'apprendre, source des sources du bonheur, rivière où coule à jamais le lait et le miel. Et le miel de l'abondance morale et matérielle, noyau de tous les noyaux. J'ai un très grand désir, celui de tout apprendre, car j'ai compris, que j'ai compris très peu de choses par rapport à ce que je dois encore reprendre par rapport à ce que tu sers, Seigneur Nerkael. Je te demande d'être avec moi là, avec ta grâce, afin que je n'oublie jamais mon premier devoir, ma plus grande joie, la source de mon bonheur et de ma prospérité, l'intérêt pour tout, le désir de tout savoir, de la lumière. Ça, c'est le prière adressé avec le 21e génie, cap samedi 23 juin 2023, qui s'est Nerkael. Pas oublier que nous toujours disons ça. Ça, c'est du côté positif. Mais il y a des gens, des personnes qui utilisent genre de ça pour faire du mal. Et pour cela, nous-mêmes, on voit long, c'est pas peut-être dit qui sort de faire, à qui sont parlé de faire, c'est au même compte qui s'accapait important pour vous, qui ça on supposé fait, qui s'accapait bon pour vous. Eh bien, pour cela, ça c'est le 21e génie qui s'est Nerkael, qui sont trône, qui a un rapport, un, avec le rituel d'Eye, deuxièmement tout, qui a un rapport avec le sec Kabbal, Kabbal qui c'est machine à prière, et non juste poté pour vous, en façon que pour nous, qui va permettre aux jeunes du peu à chaque fois ou adresser génie Nerkael, ça va permettre d'entrer en communication avec des génies qui sont au-dessus de nos têtes, surtout Nerkael qui est le 21e génie, qui sont trônes, qui ont rapport avec le rituel d'hier, et qui va permettre tout, j'aime dire de la caractéristique là, c'est peut-être retrouver la force et victoire contre le mal et connaître propre tête propre. Et ça permet tout, capable de défendre tête autour contre le mal. Parfois, j'aime te dire, il y a certaines personnes qui utilisent même génie ça en façon que pour vous faire mal. Pour vous faire mal, et j'aime dire, ça va dépendre ou même qui c'est fan, qui c'est fidèle, émission, rituel et prière. Ça va dépendre qui soit besoin, qui soit cherché et qui soit blé. Nous sommes toujours là et nous disponibles. Attendre commentaires, opinions, parce que c'est ça notre force à la radio Télécause et Bodo. Nous là pour nous porter bon jeu de détails, bon jeu d'informations pour vous. Merci et nous prenons un peu de pause et qui pas trop long pour nous entrer dans le dernier génie, cap 25 juin, cap son dimanche 25 juin, qui c'est Yahel, qui c'est Y-E-I-A-H-E-L, qui sont trônes et intériorisation, c'est intériorisation de la renommée. Ça, c'est caractéristique. Okay.